Tu t'es perdu, mon ami? Ou tu cherches quelqu'un, peut-être? Tu te demandes qui je suis? Enfin, tu ne reconnais pas ce magnifique gardien? Ou tu me connais peut-être sous un autre nom, d'ailleurs? Allez, viens, je vais te raconter mon histoire. Mon nom est Peter Quill, mais tu me connais certainement mieux sous le nom de Star-Lord. Star quoi? Star-Lord, enfin, le grand hors-la-loi. Quand j'étais petit, alors que ma mère venait de mourir, une bande de mercenaires intergalactiques m'a kidnappé. J'ai grandi dans l'espace et je suis devenu moi-même un mercenaire à la recherche des trésors les plus précieux de la galaxie. Et aujourd'hui, c'est un orbe qui me mène sur une planète perdue. Je finis par la trouver, mais un groupe de truands est également là pour la récupérer. Mais je réussis à les semer. Donc forcément, je me barre en courant. Je crois que j'ai oublié un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Salut, Berit. Berit, écoute, je vais être honnête avec toi. J'avais oublié que t'étais ici. Alors que je pars refourguer l'orbe sur Nova Prime, la plus importante planète de tous les systèmes, un duo de mercenaires et une barbare galactique tentent de me la prendre, enfin, une barbare. Plutôt mignonne au premier abord. Mais je n'ai pas la prétention d'être parfaite. Et vu que les deux mercenaires ont en plus décidé d'en rajouter une couche et d'essayer de me choper, on se retrouve tous les quatre en tôle. Mais bon, pour moi c'est pas un problème. Je serai pas ici bien longtemps. Je me suis évadé de 22 prisons, ce sera pareil ici. Et alors qu'on galère à se trouver une petite place, Groot et Rocket vont poser les bases. Vous passerez un mauvais quart d'heure. Et n'attendent pas longtemps pour décider de s'évader. Évidemment, je les accompagne ainsi que Gamora, la mercenaire, et qu'un homme assez étrange, Drax, qui ne comprend pas le second degré. Ce sera enfin ta chance. Pourquoi je mettrais mon doigt sur sa gorge? Quoi? Oh non, c'est une image. C'est une image qui veut dire que tu lui trancheras la gorge. Et qui cherche à retrouver le meurtrier de sa famille lié à Gamora. Avec tout ce beau monde, on réussit à se barrer de la prison. Je crois que j'ai encore oublié un truc. Mais derrière nous, un étrange dictateur venant d'une planète perdue, Ronan l'accusateur, nous traque sans relâche à la recherche de cet orbe, quitte à carrément buter toute une batterie de prisonniers. Et que fait-on de la prison? Les Nova ne doivent pas savoir ce qu'on cherche. Détruis-la! En passant, c'est le chef de Gamora et l'assassin de la famille de Drax. C'est toujours bon à savoir. Gamora a un plan, elle sait à qui porter l'orbe, afin de s'en débarrasser et de se faire un petit pactole, sur l'astéroïde Nowhere. C'est la tête décapitée d'une ancienne créature céleste. Une fois sur place, on se pâte la gueule, je drague Gamora. Eh bien, sur ma planète, il existe une légende sur les gens comme toi. Ça s'appelle... Footloose. Et on finit par rencontrer le collectionneur, un mystérieux personnage cherchant à posséder l'orbe pour enrichir sa collection. Que visiblement, en plus que l'orbe soit dangereuse, cet homme ne semble pas traiter correctement ses employés. Ne t'approche pas! Je ne serai plus jamais votre esclave! Non! Ceci se faisant sauter, ce n'est généralement pas mon signe. Et devinez quoi? Non, sérieusement, devinez quoi? Drax se paye le luxe d'appeler Ronan complètement bourré, juste pour lui péter la gueule. Ronan l'accusateur! Tu es celui qui m'a transmis le message. Du coup, en plus de devoir protéger l'orbe, on se retrouve à devoir se débarrasser de Ronan comme ça. Donc bon, on fait de notre mieux. Surtout Rocket. Yeah. Et là, je dois choisir entre sauver l'orbe et sauver Gamora. Le choix est vite fait. J'ai senti naître quelque chose en moi. Quelque chose... Mais c'est là que mon chef, celui qui m'avait kidnappé sur Terre, Yondu, refait surface et veut me buter, et bouffer. Quand t'étais gamin et que je t'ai ramassé, mes hommes mouraient d'envie de te dévorer tout cru. Et pendant ce temps, du côté de Ronan, celui-ci décide de buter l'humanité et les races galactiques avec l'orbe, qui est en fait une pierre d'infinité. Rematez les Avengers pour savoir ce que c'est, parce que... Plus simple, tu regardes le DVD, parce que moi j'ai la flemme. Hein. Et alors que Yondu cède et décide de me garder en vie, en échange de la pierre, je décide de concocter un plan pour sauver l'humanité. Combien de pourcents? J'en sais rien, 12% peut-être. 12%?
Ça, c'est un rire forcé. C'est un vrai rire. Complètement forcé. Mais bon, ça suffit pour convaincre tout le monde. On est tous debout maintenant. On a l'air malin, planté comme ça, tous en cercle. Une fois sur Nova Prime, parce que le plan de Ronan, c'est de foncer sur Nova Prime, de défoncer la gueule à tout le monde, avec sa petite pierre. On décide de former une alliance avec les soldats de la cité et de s'infiltrer dans le vaisseau pour sauver la galaxie. On réussit à retrouver Ronan et à lui casser la gueule. Enfin... Tu as réussi! Mais heureusement, Rocket est pas loin. Et alors que le vaisseau de Ronan s'apprête à s'écraser, Groot décide de nous sauver en se sacrifiant. Et en se relevant du crash, devinez qui se relève aussi. Bah oui, ce gros con de Ronan, forcément. Regardez, vos gardiens de la galaxie. Et c'est là que j'ai une idée de génie. Ooh, child things will get brighter. Écoute-moi ça. Ooh, child things... Et pour empêcher la pierre de consommer la planète, on fait appel au pouvoir de l'amitié... on se tire la main pour contenir le pouvoir de la pierre. Tu l'as dit toi-même, abruti. On est les gardiens de la galaxie. Du coup, on réussit à sauver l'humanité, et en plus, on a nos casiers vierges. Ok. Nous avons également effacé vos casiers judiciaires. Toutefois, vous devrez absolument éviter d'enfreindre les lois à l'avenir. Et si quelqu'un fait quelque chose d'agaçant, et que je décide de lui arracher la tête? C'est... En fait, ce serait... un meurtre. Et c'est ainsi qu'avec une belle bande de trouducs, on est devenus les gardiens de la galaxie. Plutôt cool, non? Someday, yeah, put it together and again and up. Someday when your head is much lighter. Someday, yeah, walk in the rays of a beautiful sun.